Salut tout le monde. Je voulais que vous regardiez cette vidéo parce qu'il y a un débat qui se passe au Cameroun de ce qui se passe en Amazonie. Le gouvernement camerounais voulait montrer un exemple de son policy des Amazoniens. Regardez la vidéo ci. So let me drop a little bit in English. This is the house and the quarter where this boy, who is the Benjamin and the last born in their family, was arguing with his friend criticizing the Cameroon government war in Ambazonia. In so doing, he said that I am an Ambazonian. Because of that, he was arrested and he's been tried for terrorism in the Cameroon military tribunal. L'enfant était en train de dire là-bas que le pays ne va pas bien, qu'il a fréquenté et il n'a pas les diplômes et que le pays et qu'il n'a pas d'emploi et que le pays c'est en 2025. Ils vont, étant sous, il dit qu'ils vont gâter le pays. Il va gâter le pays. Il a son groupe où on l'a posé la question. Donc, tu es un Ambazonien que je suivais dans le téléphone. Donc, tu es un Ambazonien. Étant ivre, il répondait oui, je suis un Ambazonien dans son état d'ivresse. L'infortuné s'est fait arrêter par le commissariat du 16e arrondissement. Quelques jours après, il est transféré à la division régionale de la police judiciaire du littoral. Et depuis jeudi, il est détenu à la prison centrale de Douala à la demande du commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire. Il n'a aucune relation avec ces gens. Aucune relation. Il est bafia. Permettez-moi, monsieur le journaliste, je vous dis que nous sommes des Rigama. Le marché de vendredi, c'est connu dans tout le monde, dans tout le Cameroun. Quand quelqu'un viendrait même a dit qu'il est ambazonien, je n'ai pas répondu à quelqu'un a dit qu'il a tué. Si vous avez tué, il faudra qu'on vous trouve une victime. Et qu'on trouve pour par quel moyen vous avez tué. Ce n'est pas suffisant de déclarer qu'on est ambazonien. Parce que ce monsieur ne présente aucun profil. So this boy is just if somebody who have expressed something. He is not a combatant, and the African Charter, which is a law that is approved by the Cameroon Parliament, it supersedes the Cameroon Constitution, prohibits the trying of civilians in military court who are not combatant. So just to say I am an Ambazonian, the Cameroon government is trying you for terrorism in a military trial, even when there is no proof that you are a combatant or you carry weapons. Donc, ce que le gouvernement de Cameroun voulait faire, ça veut dire que tout le monde qui s'appelle un Ambazonie, c'est quelqu'un qu'on doit les arrêter pour le terrorisme. Ça veut dire qu'il a commis l'acte de terrorisme. La deuxième chose, c'est la loi des terroristes. Pour dire que quelqu'un c'est un terroriste, ça veut dire que la personne l'a tué ou utilise la terreur pour les citoyens ou les civils. Pour atteindre un objectif politique. Ce qu'il dit de l'affaire. Et cet avocat, dont je ne citerai pas le nom, dit que ce monsieur se réclamait ambazonien. Bon, être ambazonien, c'est critiquer le président Biya. C'est ce que vous êtes en train de dire de l'apologie du terrorisme. Parce qu'un individu, où qu'il soit, en République du Cameroun, qui dit qu'il est ambazonien, qui fait l'apologie des actions menées par ces milices-là, est effectivement passible du tribunal militaire. C'est ça les faits. Si on... Mais ce sont les faits. Okay. Nous tous, on connaît que le nom Ambazonie, c'est le nom de choix de la population anglophone pour désigner les territoires qui avaient à voir une union avec Cameroun. Donc si tu dis que pour être un Ambazonie, c'est un acte de terrorisme, ça veut dire que tu accuses tous les anglophones pour être les terroristes. Et c'est ça qui guidait votre armée qui est dans notre territoire pour tuer les gens sans le juger pour l'acte de terrorisme. Parce que même Kadena Toumi, 86% de l'anglophone voulait séparer des Cameroun. Ça veut dire que tu dois mettre au tribunal 86% de tous les anglophones. Parce que tous les anglophones veulent séparer des Cameroun. Parce que votre gouvernement a fait que c'est impossible pour nous d'exprimer notre identité ou célébrer notre histoire. Donc on sait que c'est Paul Biya qui a tiré la première barre. Notre soldat, Ambazonie, répond avec le droit de défendre. Et on ne targete pas les citoyens. On ne targete pas les civils. On est en guerre contre les militaires camerounais qui est dans notre village, il brûlait notre village, il fait de chez nous ce qu'il avait fait
pour les Bamileke et les Bassa à l'époque quand NS Mwani battre pour la liberté du Cameroun hors de la zone francophone, la francophonie. Donc, quand on dit que tous les Ambazonis, ce sont les terroristes, qu'est-ce qui est la terroriste, vraiment? La terroriste, c'est qui? La terroriste, c'est la personne qui tue ou utilise la terreur de la population civile pour atteindre un objectif politique. Nous, les Ambazonis, on n'utilise pas la terreur contre la population. Mais votre gouvernement fait la propagande et il fait tout pour changer la construction de la vraie, de la vérité, ce qui se passe. On est dans le combat seulement avec les armées camerounaises et contre le gouvernement camerounais et ses complices. Je voulais vous montrer quelque chose qui est arrivé de chez nous, en Ambazonie ou à Nosso, comme vous voulez nous appeler. Parce que pour nous, le nom Nosso, là, c'est la insulte. Regardez la fille ici. La fille ici, hier, elle dormait chez elle. La militaire camerounaise a venu à Kumba. Il a ouvert feu parce qu'il voulait prouver qu'il y avait une attaque des Ambazonis dans la quartier là-bas. Si tu es la famille de la fille ici, tu vas réagir comment? Tu vas réagir comment? Avant ça, la militaire camerounaise a arrêté 4 étudiants. Parmi les 4 là, on accuse 2 qui travaillent pour les Ambazonis Forces. On les a arrêtés, ils étaient vivants et on les a tués. On n'est pas les amenés au tribunal, comme on fait quand on arrête un francophone accusé d'être un Ambazonis au tribunal. Pour nous, quand votre militaire venait chez nous, si tu dis seulement que quelqu'un est Ambazonis, on ne les arrête pas pour amener au tribunal. On l'arrête, on le tue, on met la fusil sur lui, on met son corps dans la rue. Qui utilise le terreur? Le terreur, ça vient de la part des armées camerounaises. Ça a mené comme le capitaine Modja Modja, qui a arrêté les étudiants qui étudient à l'université de Léboya. Il les a amené le corps, il a tué devant vous. Il faut que vous nous disiez quelle page dans votre constitution que ça a donné la loi pour voir des pobia pour tuer les gens qu'ils ont déjà, les gens qu'on a déjà arrêtés, on les tue chez nous. Chez vous là-bas à Douala quand même, on a amené le francophone au tribunal. Pour nous, votre militaire, votre enfant dans le militaire, venez chez nous, ils ne nous tuent pas seulement, ils brûlaient notre village. Qui est la vraie terroriste? La vraie terroriste, c'est le BI. Parce qu'ils utilisent la terreur de persécution et ils tuent les gens qui n'ont pas les armes. On ne peut jamais accepter que un terroriste, c'est quelqu'un qui dit qu'il est Ambazonie. Ça, c'est stupide. La idéologie Ambazonie n'est pas basée pour tuer les gens ou pour utiliser le terreur pour avoir leur objectif politique. Il faut que je vous remarquez que aux États-Unis, dans une époque, on dit que les Noirs ne sont pas les êtres humains. Au Sud-Afrique, il y avait la loi contre les Noirs. Donc, votre loi, si vraiment la loi, ça dit que les gens qui s'appellent Ambazonis, ce sont les terroristes. Cette loi-là, c'est la loi du diable. La loi-là n'atteint pas la définition d'un terroriste. L'État camerounais, pour faire cette propagande, utilise la terrorisme même. Parce que quand tu dis que tout le monde qui dit que c'est un Ambazonis, c'est un terroriste, plus de demi des anglophones, ce sont les terroristes. Tu justifies les actions de votre militaire pour appliquer ces lois qui viennent dans notre région et tuer les gens sans passer au tribunal, même quand les gens-là n'ont pas même les armes. Nous, les Noirs, doit quitter de la mentalité là. Quand la loi même est faux, est mauvaise, on doit rejeter la loi là. On doit battre, on doit résister le système. On n'est pas trompé de ce qu'on appelle la terroriste. Nous tous, on sait qui est la terroriste. C'est Boko Haram,
et c'est Paul Biya. Il faut que je vous remarque que le même gouvernement en place, c'est la succession de la gouvernement de Amadou Ahidjo, qui avait dit que tous les Bamileke, ce sont les maquisards ou les terroristes. On doit les brûler toutes les maisons, tous les villages. On tue les enfants, on les coupe les têtes, on met dans la rue. Vous avez au Gabon, au Mali, on a rejeté ce genre de système. Il faut que vous aussi, vous rejetez ce genre de système qui dit qu'on tue votre frère dans les zones anglophones. Si vraiment nous sommes les frères, il faut rejeter ce que Paul Biya est en train de propager dans votre pays. Ça, c'est la loi des démons. Ça, c'est la loi des royaumes de Satan. Il faut rejeter le régime en place. Il faut rejeter la guerre contre les Ambazonis. Il faut rejeter la définition de terrorisme. La loi de l'acte de terrorisme au Cameroun, comme la loi de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est quelque chose de rejeté avec tous vos armes. Et j'appelle aux militaires camerounais, ne pas être honte pour battre contre la force coloniale de Paul Biya, la force qui a défini tous les Bamileke à l'époque comme les terroristes. Chez vous là, des UPC, on n'est pas les traités comme les âmes qui sont malades. Mais chez nous, on dit qu'on doit amener les combattants sur le Didi Aron. Est-ce qu'on avait mis les gens qui battent contre le Cameroun, des UPC à Didi Aron? Pourquoi quand on arrête un francophone pour la même loi, on les amène au tribunal? Mais chez nous, on ne nous amène pas au tribunal. On tue les enfants dans la rue. On met le corps dans la rue. Est-ce que ça, ce n'est pas un acte de terrorisme? Le vrai terroriste, c'est le chef de l'État au Cameroun. C'est Paul Biya Bivondo, avec tout sa collaborateur. Un jour, ce qui est arrivé à Ali Bongo va lui arriver aussi pour lui. Il faut que tout le monde soit loin de Paul Biya et sa régime de terroristes. Il faut que tous les francophones qui sont dans les armées, ils refusent de prendre l'ordre pour faire les actes de terrorisme dans notre zone d'anglophones. La revendication de nous, des anglophones, ça base aux constitutions du Cameroun. Même la constitution du Cameroun a dit qu'on peut changer la norme de la zone. Si on a choisi pour appeler notre zone Ambazonie, ce n'est pas un acte de terrorisme. C'est un freedom d'expression. On a le droit de faire ça. Parce qu'on a venu au Cameroun par un acte de self-determination. Et l'acte là n'est pas fini. Si on a donné la special status, ça veut dire que le gouvernement camerounais reconnu qu'on a le droit pour la revendication. Donc il ne peut pas tourner en bas pour dire que pour être en Ambazonie, c'est un acte de terrorisme. C'est le gouvernement des terroristes. C'est une idéologie de terroristes que Paul Biya est en train de vous faire là. Et on doit rejeter ça avec tout notre âme. Tout notre âme. On doit battre contre la vraie terroriste. C'est Paul Biya. Que Dieu vous bénisse.